Aride. Voilà un nom bien étrange pour une île si verdoyante. Aride est l'une des 115 îles des Seychelles. Elle est inhabitée. C'est une réserve naturelle pour oiseaux. Ici, ils sont chez eux. L'homme n'est qu'un observateur et un protecteur. Autrefois, Aride était une cocoteraie exploitée pour la production de copra dont on extrait de l'huile. Aujourd'hui, Aride est une réserve privée. Elle appartient à une ONG, une organisation non gouvernementale. ICS, Island Conservation Society, la fondation pour la conservation des îles. Une anecdote, Aride a été achetée en 1973 par Christopher Cadbury, le célèbre chocolatier britannique. Depuis, la plupart des cocotiers ont été abattus. Aride doit retrouver son aspect originel, avec ses arbres endémiques, même si parfois ceux-ci sont fatales aux oiseaux. Myriam guide les visiteurs et leur explique pourquoi. Ça vient de l'arbre qui s'appelle le pisonia. C'est un fruit assez embêtant pour... aujourd'hui, tiens, tu vois, il y a des fourmis qui sont collées dessus. Donc pour les oiseaux de mer, c'est la mort assurée quand c'est collé dans leurs plumes. Sur Aride, les oiseaux ne sont pas farouches. Ils se laissent facilement approcher, comme ces pailles en queue qui nichent à même le sol. Ici, tous les oiseaux, marins ou terrestres, sont en sécurité. Ils n'ont pas de prédateurs. Il n'y a sur l'île ni rats, ni chats. Des conditions idéales pour le paille en queue qui a bien failli disparaître des Seychelles dans les années 1990. Aujourd'hui, l'espèce est toujours surveillée. C'est la mission de Licia Calabrese. Cette Italienne de 27 ans est ornithologue. C'est la responsable scientifique de l'île. Avec deux volontaires, elle compte, bague et favorise la reproduction des espèces menacées. On ne connaît pas très bien les causes de ce déclin. On pense qu'une de ces causes pourrait être le manque de nourriture pour les oiseaux marins. On essaie toujours de comprendre ce qui se passe et voir ce que l'on peut faire. La visite se poursuit. Licia accompagne des touristes. Elle leur présente cet oiseau attachant dont la population diminue, le stern blanc ou fairy stern. Cet oiseau s'appelle stern blanc. Il peut vivre 15 ans environ. Et la particularité de cet oiseau, c'est que le mâle et la femelle restent ensemble toute leur vie. Et si parfois l'un d'eux vient à mourir, l'autre reste seul jusqu'à sa mort. Le stern blanc a une autre particularité. Oisillon, il vit ses 3 premiers mois posé simplement sur une branche. Un ruban rouge permet de le localiser. Les sternes blancs ne construisent pas de nid à proprement parler. Ils posent juste les œufs sur les branches. Ils n'ont pas besoin de transporter de brindilles. Ainsi, avec ce ruban, on peut exactement localiser le nid. Aride abrite 10 espèces d'oiseaux marins, des nodis, des sternes, des pailles en queue, des puffins et des frégates. Les frégates, véritables seigneurs des mers, dominent l'océan et leurs congénères de leur impressionnante envergure. On peut les observer du haut de cette falaise. Cinq espèces d'oiseaux terrestres vivent également sur Aride, dont la très rare pichanteuse endémique des Seychelles. Elle fait l'objet d'un suivi scientifique particulier, car elle aussi était menacée. Pour faciliter la reproduction de l'espèce, Licia a fait construire ses abris artificiels. Normalement, la pichanteuse se reproduit et construit son nid dans les cavités des vieux arbres. Mais dans l'île, il y en a peu, car la végétation que vous pouvez voir a été plantée récemment suite à la coupe de la cocoterie. Du mois de septembre au mois de mars, il faut également surveiller les tortues de mer, les compter, repérer et marquer les lieux de ponte. Aride abrite des oiseaux, des tortues et de très nombreux lézards, l'une des plus fortes densités au monde. On trouve un individu tous les 3,50 m. Licia est aidée dans son travail par deux volontaires. Myriam, 31 ans, est parisienne. Elle termine son séjour et compte bien passer le relais à des étudiants réunionnais. Ici, ils vont vivre très simplement, tout simplement parce qu'on vit avec l'eau de pluie, on boit de l'eau de pluie, on se lave avec l'eau de pluie, mais après, le reste ne change pas d'une vie simple, sauf que peut-être qu'ils ne regarderont pas la télé tous les jours. Voilà. Donc
Seules 7 personnes sont hébergées sur Aride. Toutes travaillent pour ICS. Leur action est en partie financée par les droits d'entrée payés par les touristes. Et c'est le manager de l'île, en personne, qui vient chercher les visiteurs sur l'île voisine de Pralin. Une mission beaucoup moins anodine qu'il n'y paraît. En fait, on utilise notre Zodiac pour amener les touristes sur l'île. On ne reste pas longtemps à l'embarquement à cause des rats et des insectes qui pourraient embarquer en même temps. Imagine, juste qu'un seul rat s'introduit sur l'île, ça serait dévastateur pour les oiseaux marins que nous avons ici. Grâce à ces efforts quotidiens, Aride est aujourd'hui un véritable sanctuaire pour les oiseaux, les tortues et de nombreuses autres espèces. Alex, Licia et Myriam ont un rêve. Tous espèrent que cette île restera à jamais à l'abri de l'industrie hôtelière. Et que dans 100 ans, 200 ans, Aride sera toujours ce havre de paix que les hommes ont réussi à bâtir.